Salut les kiffeurs et les kiffeuses, on se retrouve pour une nouvelle box de nos curieux voyageurs et ce mois-ci direction la Grèce. On commence par cette petite photo qui se trouve sur la box qui nous donne vraiment envie de découvrir ce qui se cache à l'intérieur et de voyager à travers la Grèce, les maisons blanches, l'eau bleue, les dauphins, la feta, l'huile d'olive. Allez c'est parti. Qu'est-ce qui se cache dans la petite boîte, dans la petite boîte? Qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se cache dans la petite boîte, dans la petite boîte? Wouh, il y a plein de trucs. Comme d'habitude, la première chose que l'on trouve dans la boîte, c'est le Curio Book. Et là, c'est un focus sur deux îles de Dodécanèse qui sont Rhodes et Simi, aidez-moi, je ne sais pas comment ça se prononce. On voit que dedans, on va retrouver du coup, comme d'habitude, le voyage du mois à Rhodes, raconté par un des reporters de nos curieux voyageurs. Un focus sur Simi, la perle de Dodécanèse, et Yumi Yumi, une recette de gâteau à la semoule grecque. Si on commence à lire un peu le récap de leur voyage, eux, ce qu'ils ont vraiment aimé, c'est les fonds marins, les dauphins, pouvoir voir tous les poissons, l'eau bleue, enfin, ça a vraiment, apparemment, c'est vraiment un des points forts de ces îles. Forcément, quand on entend Grèce, et en plus, les îles au large de la Grèce, on pense magnifique plage. Les belles plages, les endroits où aller, où manger, bien sûr, comme d'habitude. C'est trop mignon, mais regardez. Voilà, du blanc, du bleu, la Grèce, quoi, tout ce qu'on s'attend à voir en Grèce. Sans finir, la recette. Moi, je suis pas fan du gâteau à la semoule grecque. Mais voilà, si jamais je veux tenter, je pourrais. Comme d'habitude, c'est génial, hein, c'est tout petit, on l'emmène avec nous. Il y a les essentiels en quelques pages, pour ceux qui aiment pas lire comme moi. On a l'essentiel à savoir sur l'endroit à visiter. Donc c'est vraiment top. Et là, pour le coup, c'est cool parce que c'est vraiment un focus mer, fond marin, et c'est ce que j'adore. On continue! Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, j'ai l'impression. Mais je peux pas trop voir parce que le premier objet dans cette boîte couvre tout le reste. Et c'est un tote bag. Un tote bag. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Il y a écrit « Je suis la déesse de moi-même ». Bien évidemment, confiance en soi, les filles. Déesse de soi. Il est trop mignon. C'est pour aller faire les petits marchés sur les îles Dodécanèse. Ou pour aller à la plage, pour mettre tous les produits, la serviette, tout ça et tout. Il est très mignon. Il sent la graisse. Là, je vois un petit jouet. Ben oui, un jouet de plage puisque c'est un ballon enflable. Mais oui. Oh, j'en connais un qui va être content quand je vais l'emmener à la mer. Et... du monde. Bon allez, je vais le gonfler pour vous. Alors, je suis très nulle pour gonfler les ballons. Faut savoir ça. Ça n'a jamais été mon fort. J'ai l'impression qu'il ne se gonfle pas. Léa ne doit pas s'échapper. Ça y est. Oui. Super ballon gonflable. Il est trop cool. Et c'est une carte du monde. On pourra jouer à quel tour? Forcément, qui dit Grèce dit plage de rêve, eau turquoise, comme je vous l'ai dit à multiples reprises. Donc forcément, jouer au ballon, parce que moi, à la plage, je déteste rester sans rien faire, à bronzer sur ma serviette. J'aime jouer à la baballe. Ce sera parfait pour partir à la plage, surtout que j'y vais le week-end prochain. On continue. Ah, je ne sais pas pourquoi commencer. Si, je sais pas quoi commencer. Il y a des jolis coquillages qui viennent directement de l'île de Rhodes. En plus, il est percé, lui. On peut s'en servir pour faire des bijoux. Et un tout blanc, comme les maisons en Grèce. Est-ce que j'entends la mer? Est-ce que... Non, non, j'entends pas la mer. Alors, on a des herbes grecques. J'ai envie de sentir. C'est une tuerie, donc voilà, donc c'est des herbes pour aromatiser mes plats français. On continue. Alors là, les filles, petite pause beauté. C'est un savon, donc un savon à l'huile d'olive, un savon naturel à l'huile d'olive. Donc ça aussi, on a envie de sentir, forcément. Comme ça, je voyagerai même sous ma douche. J'aurais l'impression d'y être dans cette eau turquoise. Ça sent super bon. En plus, l'huile d'olive, c'est hyper bon pour la peau. On continue. Oh, il y avait d'autres coquillages que j'avais pas vus, regardez. Ils sont trop beaux en plus, c'est les plus jolis. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une crème pour les mains à l'huile d'olive aussi, à l'huile d'olive grecque. C'est marqué ici. Oh, ça sent trop bon. Allez, on va tester. Oh, c'est marrant la texture pour prendre soin de mes petites mimines. Ça sent super bon, j'ai l'impression d'être au bord de la mer là. Je sens que ces mimes m'ont piqué. Alors là c'est trop marrant, on a des éponges. Pas des éponges comme voilà quoi, une éponge pour faire la vaisselle quoi. Non, vraiment des éponges, éponges de mer, et c'est en même temps des éponges démaquillantes. Donc c'est hyper cool, c'est marrant, il y en a différentes formes. Ce qu'on a là-dedans c'est des petites chaussettes. Elles sont trop belles. Des petites chaussettes de marin pour être en bleu et blanc comme la Grèce. Donc voilà pour cette box droit venue de Grèce. Donc voilà, ça se transporte vraiment, ça sent la Méditerranée, la mer, la plage, le soleil, l'été quoi, tout ce qu'on n'a pas à Paris. Mon top 3.
3. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le ballon. Voilà, ça j'adore. Donc rien à voir avec la Grèce, mais avec le monde entier. Et non, mais c'est cool parce que voilà, comme je vous l'ai dit, à la plage, moi j'aime pas rien faire et rester là à cramer au soleil. Surtout que je suis tellement blanche que je deviens rouge très très vite. J'aime m'amuser dans l'eau et donc ça c'est parfait. Dans mon top 3, j'ai mis aussi la crème pour les mains qui sent la Méditerranée. Et en plus, moi qui viens du sud de la France, ça me fait penser un peu à chez moi. Et honnêtement, elle est super. Elle est super, la texture est géniale. Donc ça, ça rentre dans mon top 3. Bon, alors le Curieux Book, je vais pas le remettre dans le top 3 parce que voilà, sinon je le mettrai chaque mois. Mais voilà, il est vraiment génial, surtout qu'il y a plein de bonnes adresses et tout. Mais ça, c'est presque une évidence que c'est le top du top de cette box. Pour finir, ce sera le tote bag. J'aime bien en fait quand il y a un petit objet mode et c'est l'avantage de cette box. Donc voilà, donc le petit tote bag à l'effigie de la Grèce. En plus, ça sert toujours pour se balader, que ce soit pour les marchés, pour avoir des souvenirs aux copains ou à la plage. Voilà, c'est l'indispensable quand on part en voyage, un petit sac à tout transporter. J'espère que ce voyage en Méditerranée vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle destination. En attendant, n'oubliez pas que la vie, c'est avant tout du kiff. Salut !